Bonjour à bonsoir à tout le monde. Donc, rebonjour pour ceux que j'avais déjà eu ce matin. Nous commençons notre quatrième et notre cinquième, la session pour notre troisième, quatrième et cinquième présentation ce soir qui sera consacrée dans un premier temps à la session 3 OS Rapini avec des applications. Cette présentation sera faite par M. Arnaud Milrev, qui est développeur à la MSH, et M. Thomas Thévenet, qui est chercheur, professeur au laboratoire TEMA. Et il se présentera aussi après. Je vais leur laisser la parole. Ils ont 1 heure pour la présentation. Et également, par la suite, ils auront. Ils peuvent découper comme bon leur semble. Donc 40 minutes pour la présentation, 20 minutes pour les questions ou 50 minutes pour la présentation et les questions. Pour les questions, je les ferai remonter, comme je le disais depuis hier. On a à peu près 20 à 28 minutes de décalage. Donc c'est le direct, c'est la différence avec le réel. Et donc n'hésitez pas à poser les questions par le même canal. Je vais vous laisser. Mon adresse mail pour tout problème pour vous connecter que je résous au même moment. Donc, merci encore à M. Thévenet, M. Milreux pour avoir accepté d'animer cette présentation. Vous avez la parole. Merci Cyrinus. Je vais donc commencer par introduire la présentation. C'est Arnaud qui va faire défiler le diaporama puisque c'est lui qui a la main. On a choisi de vous parler de ce projet d'acquisition de données géohistoriques parce qu'on se pose souvent la question d'automatiser les procédures de collecte ou au contraire d'utiliser à grand renfort de personnes plutôt des ressources humaines. Et donc le projet ANR Commune se pose la question à plusieurs moments de notre progression dans le projet pour savoir si on automatise ou si on part vers la voie plutôt humaine. Alors, l'objectif de ce programme, c'est de créer une infrastructure géospatiale pour la France de 1700 jusqu'à nos jours, jusqu'à 2020, en intégrant les circonscriptions administratives, les données démographiques, et tout cela en parallèle avec l'acquisition des différents modes de transport et les données socio-économiques qui sont associées sur le territoire français. Alors, le plan de la présentation, je vais vous présenter les sources sur lesquelles on va se baser pour constituer cette base de données de l'ANR commune. Et puis, Arnaud Milreux fera un focus sur la reconstitution des voies navigables à partir de la technique du web scraping. Et on verra un peu les apports du web scraping comme ce projet d'acquisition et jusqu'où on a pu aller sur l'automatisation et à partir de quand on a démarré avec l'intervention humaine. Donc les aspects collecte, juridiques, méthodologiques seront traités. Et puis je reprendrai la parole en fin de programme pour vous pointer un peu les perspectives de collecte sur une autre source d'information qui sont les données routières. Voilà. Donc des données aux sources des sources aux bases de données, pardon. L'idée de départ, eh bien, c'est que voilà, l'ANR commune est l'héritière d'un travail qui a été réalisé il y a 20 à 30 ans sur la réalisation d'un ouvrage de référence qui s'appelle Commune d'hier et d'aujourd'hui, qui a été dirigé par Claude Motte, Cécile Théré et puis Isabelle Segui, qui est la directrice du programme ANR Commune. Donc ce travail a été intégré ensuite dans un site web que certains connaîtront peut-être, qui est disponible sur le site de l'EHESS, qui s'appelle Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui. Donc c'est un site qui a été constitué et dirigé par Hervé Lebras. Donc toute une base de données sur les différents échelons administratifs a été développé à cette occasion. Donc il y a des études statistiques qui ont été réalisées, mais relativement sommaires, comme le dit souvent Isabelle Segui. Et donc, on peut faire apparaître un graphique pour illustrer ça, s'il te plaît Arnaud. Merci. Et puis, il y a tout un tas de découpages administratifs qui ont été renseignés sous la forme de agrégations, désagrégations de communes,
Là, on voit des dessins qui sont tirés du livre Commune d'hier et d'aujourd'hui, mais en tout cas, on n'a pas du tout de polygones qui ont été parfaitement bien dessinés, de découpage administratif constitué dans une base de données existante, comme ça a pu être fait au Royaume-Uni il y a bientôt 15 à 20 ans. Donc, c'est bien l'ambition de l'ANR commune d'être en capacité de reconstituer tous les maillages territoriaux de 1700 jusqu'à nos jours. Alors, on va être obligé de retourner aux archives pour ça, tout à fait, aux archives. Et pour cela, ce sont les archives départementales qui sont évidemment visitées. L'objectif, c'est de reconstituer tous les morceaux de polygones afin de pouvoir ensuite, sur la base de requêtes, défusionner des communes sur la base de cartes, de données statistiques, de lettres, de rapports. Et puis aussi le cadastre napoléonien qui est complété par des plans et puis des procès-verbaux. Ici, vous avez différentes sources qui ont été tirées des archives départementales de la Charente pour les communes de La Palue et Jansac. Et donc, vous voyez des éléments qui sont à la fois cartographiques, de simples dessins, de simples tableaux, et pas si simples que ça à extraire. Et donc, vous voyez, l'intervention humaine est quand même très importante, puisqu'il y a des clichés qui sont pris avec un appareil photo. Et puis ensuite, il y a un travail d'interprétation cartographique qui est réalisé par des opérateurs pour reconstituer les fameux polygones. Voilà donc pour la partie découpage administratif du programme ANR commune. Et une fois que l'ensemble des réseaux aura été, des maillages, pardon, administratifs auront été collectés, l'objectif c'est de connecter ces communes par les différents réseaux de transport. Donc pour l'instant, on est en train de développer un réseau de transport multimodal pour lequel on va reconstituer les voies navigables, le réseau ferré, mais aussi les routes, et tout cela par une approche multisource, avec des sources existantes, d'une part, les données du réseau postal qui avaient été collectées par Nicolas Verdier, et puis les routes de Cassini qui avaient été dirigées par Vincent Perret à l'EHESS et à l'IGN. Et puis on se basera également sur la reconstitution des voies de chemin de fer que nous avions reconstituées avec Christophe Mimer il y a une petite dizaine d'années de cela. Et nous allons compléter donc ces sources existantes par de nouvelles informations, en particulier les voies navigables, qui n'ont pas d'informations temporelles sur leur date de création, date de disparition, etc. Et donc l'objectif, c'est de réutiliser des données existantes pour pouvoir ensuite les localiser. Je pense en particulier au programme Babel, qui est une vraie mine d'informations et dont Arnaud Millereux vous parlera plus en détail juste après, et assorti bien sûr d'une littérature sur des précis de statistiques de la navigation en France. Pour la partie routière, on va également reconstituer les routes entre le 19e et le début du 20e siècle à partir des cartes d'état-major. Les sources sont mises en ligne par l'IGN, donc on va pouvoir en profiter. Et puis, un programme Michelin est en cours de préparation pour pouvoir reconstituer en particulier les routes de 1910-1930. Et puis, la suite devrait venir également, en tout cas, on l'espère vivement. Tout cela doit être intégré sur une base de référence. Et c'est pour ça qu'on va utiliser les données IGN à partir de la baie des Topeaux. Et donc, toutes les voies navigables qui sont bientôt terminées et livrées seront reliées à la baie des Topeaux pour pouvoir reconstituer l'évolution des réseaux. Voilà. Donc, l'objectif de cette littérature, c'est également d'être en capacité de reconstituer les vitesses de circulation sur le réseau, des vitesses moyennes. Donc pour ça, on a déjà estimé les vitesses pour le réseau piéton, on l'a déjà réalisé bien sûr pour le réseau ferré. Pour les diligences, le travail avait été réalisé avec Nicolas Verdier et Anne Bretagnol sur l'estimation des temps de déplacement et des vitesses de déplacement. Et donc notre objectif, eh bien, ce sera de réutiliser toute la littérature qui aura été mobilisée pour pouvoir constituer des temps de parcours en vitesse pour les piétons, la navigation, le fer, la voiture. Et cet ensemble-là doit nous permettre à la fin, cet ensemble de graphes multimodaux, nous permettra de reconstituer ce qu'on appelle un multigraphe. Et ce multigraphe,
que vous voyez sur la partie droite de la diapositive qui va apparaître, eh bien, c'est une base de calcul tout à fait intéressante qui va nous permettre de remonter le temps en termes d'accessibilité à différents services, accessibilité à différentes capitales de départements, de régions et de reconstituer finalement le temps passé pour relier les différentes communes du programme. Alors, on va faire maintenant le fameux focus sur la partie navigation. Et je laisse la parole à Arnaud Mildreux qui va vous présenter la technique du web scraping appliquée à ces données. Oui, bonjour. Donc moi, je vais vous parler donc de la partie web scraping, collecte des données, acquisition des données en ligne. Donc déjà un petit rappel sur ce qu'est la collecte de données. Donc le but, c'est d'obtenir des informations à des fins d'analyse, de traitement, à partir de données structurées, du fait que c'est des données qu'on récupère en ligne, qui peuvent être hétérogènes aussi, du fait que ce sont des données qu'on récupère depuis n'importe quel site, de manière manuelle ou automatisée. Donc le résultat qu'on aimerait avoir, c'est présenter un livrable avec des données croisées sous forme de tableau ou générer des tableaux de bord, des classements, etc. On veut aussi pouvoir enrichir une base de données existante, parce que comme Thomas vous l'expliquait, en fait, ce n'est qu'une petite partie du projet. En fait, là, c'est simplement pour apporter des données descriptives. Alors, il y a plusieurs types de collecte de données. Donc, si on se souvient, il y a quelques années, on était en mode manuel, en général papier, crayon. Donc là, c'est sûr, ça mérite quand même d'être cité, hein. On peut faire aussi par copier-coller ou fichier enregistré sous. Donc, c'est une manière de récupérer des données qui sont stockées sur des serveurs en ligne. Bon, c'est un petit peu fastidieux tout ça. Donc, il existe aussi des techniques automatiques ou plutôt semi-automatisées qui permettent une aide à la récupération des données, au téléchargement des données. On va voir qu'il y a différents types, hein. Donc, il y a les questionnaires en ligne. Donc, ça, ce sont les programmes où les personnes peuvent remplir des questionnaires. Donc là, on est quand même dans le domaine du semi-automatique, du fait qu'il y a une intervention manuelle derrière. Ou alors, on peut utiliser des programmes de collecte, des robots sur le poste client ou serveur, hein, parce que donc on peut effectuer la collecte de serveur à serveur ou de client à serveur. Voilà. Donc on a la relation client-serveur dans les deux sens, en fait. Donc après, on peut avoir des besoins en traitement big data. Alors quand je dis big data, ce n'est pas forcément parce qu'on a beaucoup de données. Parce que le nombre n'intervient pas trop là-dedans, en fait, hein. On sait gérer une grande quantité de données. Par contre, ce qui peut être compliqué et où on a besoin d'effectuer des traitements en big data, c'est lorsqu'on commence à avoir beaucoup de variables et que les traitements commencent à être un petit peu plus lourds et qu'on a besoin de parallélisation ou ce genre de choses. Ensuite, donc au niveau de la présentation, là, on va s'intéresser principalement à la collecte semi-automatisée, mais au moins automatisé quand même, de données qui sont récupérées sur les sites. Donc au niveau des matériels, bah, il faut des ponts, des passerelles, donc il faut des petits programmes en fait qui permettent d'aller interroger les serveurs. Et donc l'objectif, c'est théoriquement, parce que ce n'est pas toujours vrai, mais théoriquement, se passer de l'homme après, mais ça on verra que ce n'est pas toujours possible, même loin de là. Parce qu'on a toujours besoin de retoucher un petit peu les données avant de les utiliser, mais ça, je dirais que c'est normal, hein. Rien n'est automatisable à 100%. Alors, il y a quand même quelques aspects juridiques. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste juridique, mais ce qu'on peut quand même rappeler, c'est qu'on est quand même dans des données qui sont diffusées, qu'on est quand même lié aux droits d'auteur, on va dire, pour les sites en règle générale. Et que donc tout ce qui est publié est quand même donc soumis à cette règle. Donc également, on a certaines contraintes. Donc là, en termes plus généraux, on a plusieurs étapes à étudier lorsqu'on veut faire du web scraping ou même de la collecte de données en général. Il faut quand même qu'on s'intéresse aux données que l'on souhaite récupérer, pour quel but, sur quelle durée de temps. Qui va les récupérer, à qui on va les fournir, comment on va procéder à la numérisation ou à la collecte des données,
Voilà, donc tout ça, c'est tout un tas de questions en fait qu'il faut se poser dès le début du projet. Donc sur ce projet-là, on n'a eu pas trop de problèmes du fait que ce sont des données principalement descriptives. On n'a que très peu de noms de personnes et en général, bon, ce sont des données principalement historiques. Et en plus, on travaille dans un environnement où on a, dès l'instant où on respecte certaines règles, une certaine liberté, je dirais. Voilà. Alors. Donc, on retiendra donc que le code de la propriété intellectuelle donc, s'applique sur les sites Internet comme toute œuvre unique, originale, qui est diffusée par des personnes. Donc, c'est bien encadré. Maintenant, avec le RGPD, ce qui ne rentre pas dans le cadre de ce projet, on a un petit peu plus de règles, mais ce n'est pas nouveau. Ça fait 30-40 ans déjà que ça existe, hein, 50 ans. Depuis 1978, il y a des règles sur la protection et sur la copie, surtout, parce que là, on est surtout sur un problème de copie. Donc après, c'est à voir au cas par cas en fonction des projets. Alors, pour la collecte, on a plusieurs possibilités. On a soit la possibilité d'utiliser des API, donc ce sont des interfaces de programmation. Les interfaces de programmation, ce sont des fonctions, des librairies de fonctions qui sont fournies par les serveurs, par les informaticiens donc, qui développent les sites et les applications en ligne. Et ça permet donc de récupérer de l'information de manière cadrée. En gros, on récupère ce qu'on nous envoie ou ce qu'on vient de nous envoyer. Et du coup, ça facilite quand même grandement les choses parce que sans connaître ce qu'il se passe de l'autre côté, en fait, si on a une documentation associée, on a la possibilité de récupérer les données, je dirais, de manière quasi systématique. En revanche, au niveau des docs, il faut qu'elles soient bien détaillées, donc ça c'est la contrepartie aussi. Et il faut vérifier s'il y a des contreparties du genre si l'information est accessible de manière gratuite ou payante, ainsi que les limitations d'accès, si on a par exemple des restrictions au niveau du téléchargement des données, par exemple. Donc c'est un avantage d'avoir une API, il peut y avoir quelques inconvénients, mais en même temps, c'est ce qui est quand même le plus pratique pour récupérer les données dans un système cadré. Par ailleurs, on a des bibliothèques dans tous les langages quasiment qui permettent de récupérer, que ce soit par exemple pour les réseaux sociaux, la météo, l'IGN par exemple, voilà, donc il y a tout un tas de librairies, ce qui facilite grandement le développement des applications informatiques. Donc là, donc l'autre possibilité, c'est de travailler sans API, donc c'est-à-dire sans bibliothèque de fonctions proposées, on va dire. Et donc là, c'est le cas qui nous intéresse ici, parce que là, nous, on a travaillé sur un site donc qui ne propose pas d'API comme la plupart des sites aussi, hein, en généraux. Et le but, c'était de pouvoir aller chercher de l'information de manière relativement automatique. Donc c'est là qu'entrent en jeu les techniques de web scrapping, c'est-à-dire de récupération de données. Donc par exemple, si on veut récupérer sur des sites en général donc des informations sur les produits, les annonces, on a différentes techniques qui peuvent se mettre en place. Voilà. Donc on verra tout à l'heure aussi, il y a moyen aussi de récupérer donc, des données de forums. Si vous voulez, on pourra regarder, parce que pour les forums, ça se passe plutôt bien quand même. Hein. C'est quand même relativement facile. Alors là, si on prend un exemple. Donc là, on a un exemple d'annonce. En fait, ce sont des annonces qui viennent du site Indeed. Donc, ces annonces, on voit qu'elles sont représentées par des cadres. Et on a en face le code correspondant. Le code HTML correspondant qu'on obtient avec l'outil de développement par F12 dans tous les navigateurs. Et on voit à chaque fois donc que l'information, elle est repérée par un nom. Et on retrouve l'information directement au milieu du code HTML. Et c'est cette information-là qu'il va falloir aller chercher par programme. Donc à chaque fois, on a un cadre parent
dans le cas idéal, on a un cadre parent avec un nom global, et c'est ce nom global qu'il va falloir arriver à récupérer dès le début. Et ainsi, une fois qu'on aura récupéré donc toutes les idées ou toutes les classes, ça dépend un peu au niveau du développement des sites, comment les sites sont développés. À partir de ça, on va pouvoir créer des objets avec toutes les informations qui sont contenues dans chaque classe globale. Donc moi, je recommande de créer des classes à chaque fois pour chaque encart et de balayer tous les encarts d'un coup et d'affecter toutes les valeurs directement dans les variables de chaque encart. C'est beaucoup plus pratique. Comme ça, après, on travaille uniquement en objet et on traite ça extrêmement facilement et c'est très facile d'automatiser. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut retenir. Donc là, ce sont, on va dire, les cas idéaux. C'est quand on a donc des identifiants ou des classes qui sont très très bien nommés, ce qui fait qu'on peut aller chercher directement l'information, title, job, etc., salary, etc. Voilà. Donc ça, c'est toutes les informations qui nous permettent d'aller chercher l'information que l'on souhaite télécharger. Voilà. Donc, pour procéder à une collecte, parce que là, on a regardé uniquement une page, donc on aurait très bien pu récupérer, faire fichier enregistré, si on récupère la page, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer toutes les données de l'ensemble des pages, éventuellement d'un site. Alors, ce qu'il nous faut, c'est un index. Un index, un annuaire, c'est ce qui va nous permettre de lister toutes les pages. Donc, ça peut être les résultats d'un moteur de recherche, ou tout simplement, comme dans le cas présent, au niveau du site fluvial qu'on verra tout à l'heure, on avait une liste de tous les fleuves, rivières, ruisseaux qui étaient préparés et mis en ligne. Et du coup, il a suffi de suivre cette liste-là pour accéder à l'ensemble des pages. Donc, on a notre annuaire. Et après, le but, c'est de traiter l'annuaire. Donc, on lit ligne à ligne l'annuaire. Et chaque ligne de l'annuaire va pointer vers une page différente. Et après, on va traiter chaque page, une à une, et ainsi de suite, en fonction du nombre de niveaux qu'on a à traiter. Donc, il faut voir ça un petit peu comme un arbre avec des branches, et de manière pas infinie, mais on va dire jusqu'à épuisement des ressources du site. Donc, c'est là qu'on a deux sous-techniques, en fait. On a le web crawling, c'est ce qui nous permet justement d'aller de page en page. Donc, c'est la navigation comme les moteurs de recherche qui indexent, en fait. Hein. Là, par cette technique-là, on suit tous les liens les uns après les autres, jusqu'à une certaine limite. Et après, le web scrapping, c'est là où on va récupérer, où on va chercher la petite information à chaque fois dans le code HTML. Donc, le web crawling, il est sous-entendu, en fait. Hein. Donc là, nous, on va parler que du web scrapping. Alors, au niveau de la boîte à outils, comme on travaille sur des sources en HTML, du fait que les pages web sont écrites en HTML, JavaScript, CSS, c'est les trois langages principaux. Donc, JavaScript pour la partie animation, interaction, échange avec les serveurs, et la partie HTML pour la partie présentation des contenus, et la partie CSS, en rappel, hein, c'est pour la partie, toute la partie design, coloration, tous les effets particuliers pour donner une identité au site. Donc, comme on part du HTML qui est un sous-ensemble de XML, il faut garder le XML le plus longtemps possible parce qu'on peut effectuer un certain nombre d'opérations en XML qu'on ne pourra peut-être pas effectuer après lorsque les données seront transformées. Alors, XML vient avec un écosystème complet, hein, parce qu'en fait, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses en XML. Et je dirais même qu'un simple éditeur XML, un simple éditeur texte, on peut tout faire avec quasiment, sans avoir besoin de recourir à des programmes compliqués ou avoir besoin de compilateurs et tout ça. Tout peut se faire avec un simple éditeur de texte. Donc, c'est pour ça qu'au niveau des outils utilisés,
J'ai mis en premier Notepad++, JEdit, XMLMind, donc ça c'est au niveau éditeur. On peut tout faire avec parce qu'ils ont des moteurs de transformation XSLT, c'est ce qui permet de transformer un source XML en quelque chose d'autre. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être du HTML, ça peut être du SQL donc pour générer des bases de données relationnelles derrière, ça peut être n'importe quoi, ça peut être du CSV, ça peut être du TXT, ça peut être tout ce que vous voulez, et sans programmation, si ce n'est qu'il faut quand même développer des petites feuilles XSL, donc Extensible Still Sheet, donc ce sont des fichiers texte en XML aussi, qui permettent d'effectuer les transformations via le moteur de transformation XSLT. Et XPath qui nous permet de connaître le chemin d'accès aux variables. Donc si on voyait tout à l'heure, le XPath, quand on avait le document dans la partie droite avec le HTML, le XPath, c'est l'ensemble des identifiants de chaque zone de l'écran jusqu'à arriver à la source. Donc par exemple, on peut avoir slash body. Si on part du HTML, ça fait HTML slash body slash P, par exemple, pour accéder au contenu de P. Donc tout ça, ce sont plein de langages, en fait, donc qu'il faut apprendre, mais qui sont extrêmement pratiques. Donc tout ça est extrêmement pratique si, après, on utilise une base de données XML native. Alors, sachant que Oracle, MariaDB, PostgreSQL, propose maintenant, Oracle en premier depuis très très longtemps, depuis je dirais presque 20 ans, parce que le champ colonne XML existe depuis très longtemps, pour souvenir de cas d'utilisation. Et Postgre, pareil, on a aussi un champ XML, MariaDB aussi via MySQL aussi à l'époque, mais en XML natif, on recommande aussi ExistDB ou BaseX, qui est très performant. C'est d'ailleurs ce que j'utilise en général. Donc, toutes ces technologies sont utilisables via n'importe quel langage de programmation. Donc là, j'ai mis Java, Python, PHP, mais en fait, tous les langages ont des passerelles pour accéder à ces différents types de bases de données. Même BaseX en Python, en PHP, en tout ce qu'on veut. Via des API, pour le coup. Et ça marche très bien. Alors, la méthode générale, lire, nettoyer, traiter, donc ça c'est le leitmotiv dans le web scrapping ou même dans le traitement de données en général. Donc, il s'agit de lire l'index des pages, comme j'ai dit tout à l'heure, le nettoyer. Alors, selon si on utilise des librairies ou pas, si on travaille à la main, en fait, sans librairie particulière, on a toujours un petit peu de nettoyage du code HTML à faire si le code n'est pas conforme XHTML, je dirais. Parce qu'en fait, il faut fermer toutes les balises qui ne sont pas auto-fermantes dans le langage HTML en règle générale. Ensuite, pour chaque élément de l'index, on parcourt l'index et on va chercher chaque page. Pour chaque page, on nettoie, on récupère. Donc, on récupère, on nettoie et on traite. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut avec chaque page. Après, on récupère les différents champs, on crée des classes, on affecte les valeurs aux variables, membres des classes. Et après, on peut générer des tableaux, enrichir les bases de données, comme on a vu en introduction. Alors, on va passer donc au cas concret là sur le site. Babel. Donc là, le but, c'était de récupérer les différents cours d'eau de France. Donc, ce sont des données à caractère historique. Et on souhaite pouvoir enrichir les bases de données qui sont en cours de création par le laboratoire Théma, entre autres. Alors, on a déjà commencé par extraire donc les données du site en récupérant les différentes informations. Et donc,
le site il se présente comme ceci. Donc là, il y a deux captures d'écran en bas. Donc on voit très bien l'index donc, sur l'image de gauche, en fait. Donc on a deux listes de noms de cours d'eau et un exemple à droite de page avec les différentes informations liées à ce cours d'eau. Donc là, on va partir sur le cas du Rhin, qu'on prendra après. Ouais. Alors, au niveau de l'index, on voit tout de suite ici qu'on a notre liste avec tous les cours d'eau. Donc ça, ce sont des liens A, donc ce sont des encres, en fait, des encres HTML. Et sur la partie droite, on a les différentes valeurs qui s'affichent. Bon, on voit en revanche qu'on n'a pas d'informations sur les types de classes, ce genre de choses, les identifiants. Alors éventuellement, on pourrait, en comptant, on pourrait, bon, il y aurait des heuristiques qu'on pourrait utiliser. Là, ici, on s'est basé sur la couleur, en fait, pour obtenir les cadres, en fait, de manière un peu générique, parce que le but, c'était de rendre la chose générique aussi. Hein. Parce que sinon, on peut toujours aller chercher l'information avec du code que je qualifierais en dur, c'est-à-dire première valeur, première liste, troisième élément, etc. Mais là, le but, c'était quand même de rendre générique le traitement. Donc, on voit qu'on a nos différents liens qui sont représentés donc par le texte souligné en bleu. Voilà. Ici également, si on prend donc le cas du Rhin, on a l'information de part et d'autre de la capture d'écran du code source HTML avec les différentes informations, les dates, le nom, la navigabilité, etc., qu'on retrouve aussi donc ici. Donc là, il va falloir aller chercher l'information en suivant les branches des arbres, en fait. Donc tout ça, ça se passe en XSL. Alors, pour la partie récupération des données, il y a un petit logiciel qui a été développé où donc là, on place l'URL annuaire, donc l'URL où on a la liste des cours d'eau. Ensuite, donc, ça a généré l'ensemble des liens à visiter. Les pages ont pu être téléchargées et à partir de là, on a récupéré les données. Donc tout ça, c'est automatique. Et c'est après au niveau du traitement qu'il va falloir commencer à faire du traitement manuel pour, on va dire, pour les informations qui ne sont pas bien rangées. Donc au niveau des quatre étapes de la chaîne de traitement, on part du source HTML en 1, qui est transformé en XML à partir des informations HTML et des différentes informations qu'on a pu trouver dans le site. En 3, on passe à une version en CSV. Donc là, c'est du CSV avec double pipe pour être sûr qu'on n'ait pas de problème si on, avec les points virgules et tout ce genre de choses, ou s'il y a des guillemets, des choses comme ça. Et donc après, la quatrième étape, c'est d'obtenir un tableau avec l'ensemble des données moissonnées. Voilà. Et donc là, je vais repasser la main à Thomas. Voilà, donc on reprend le tableau numéro 4 qui est exposé par Arnaud dans la diapositive précédente. C'est le contenu de Babel qui nous est livré sous la forme tout simplement d'un tableur. On retrouve le site Babel avec pour chaque ligne un morceau de tronçon de la voie navigable. Et l'objectif, bien sûr, pour nous qui cherchons à faire de la géohistoire, c'est à cartographier, bien sûr, ce résultat. Alors, le passage automatique de Babel à la carte a été envisagé, mais il s'est rapidement avéré difficile à réaliser,
dans le sens où la localisation des différents points sur le réseau n'était pas aisée à réaliser. Deuxièmement, Babel est une très très belle source, mais elle souffre d'incomplétude, en particulier sur les dates d'ouverture et de fermeture pour lesquelles il y a un certain nombre de précisions à avoir. Parfois, on a une date très précise et parfois, on a au XIVe siècle. Donc, du coup, il a fallu essayer de préciser les informations manquantes à partir de données issues de la littérature. Donc, pour ce double travail à la fois de complément des données et puis de localisation, eh bien, c'est une intervention humaine qu'il a été nécessaire de faire. Alors, heureusement, sur des données comme les données fluviales, quelque part, les canaux sont tout à fait réalisables avec une intervention humaine. S'il avait fallu faire un travail à peu près identique pour le réseau routier, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc, du coup, on s'est permis ce luxe de pouvoir à la fois utiliser les données préparées en web scraping par Arnaud, et puis le lien avec la baie des topos de l'IGN. Et donc là, la base de données devrait être livrée d'ici cette fin d'année 2020 pour la partie cartographie et temporalisation des différents tronçons du réseau. Alors, 2021 sera plutôt réservé à la collecte de données sur les informations routières. Et donc là, nous en sommes aux perspectives. On a commencé à fixer un certain nombre de choses. Et comme toujours, on s'est posé la question, allons-nous automatiser ou allons-nous plutôt faire un recueil d'informations plus humain? Là, sur cette diapositive, on voit les difficultés de pouvoir vectoriser les routes sur le support des cartes d'état-major, puisque je vous rappelle que la prochaine étape en 2021, ce sera d'utiliser les cartes d'état-major pour pouvoir reconstituer le réseau routier français. Alors, on voit rapidement des problèmes de juxtaposition d'images. Par exemple, le cercle rouge que vous voyez sur la carte qui est tout à gauche de la diapositive, l'œil humain va avoir tendance à prolonger les deux traits, qui ne se juxtaposent pas parfaitement bien, alors qu'un traitement automatique ne pourrait pas le faire. On va trouver des différences de couleurs également. Avec, vous voyez sur Paris, la partie ouest qui est plus foncée que la partie est. Et du coup, choisir des couleurs et un échantillonnage qui permet de bien extraire du contenu, on voit que entre deux images qui sont pourtant issues de fonds très proches, eh bien, ça va être compliqué. Même chose pour le repérage de structure. Vous avez tout à droite une image de Strasbourg où on voit un morceau de fortification. Est-ce que ce morceau de fortification pourrait s'apparenter à une route ou pas? L'œil humain sera capable de le faire. En revanche, un traitement automatique, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc, on se pose cette question de pouvoir utiliser des algorithmes automatiques ou pas. Et la question qui se pose, on peut la résoudre en essayant de trouver un compromis à trouver entre, d'une part, le temps de correction qui est nécessaire quand on recourt à des algorithmes automatiques, et puis le temps de collecte que ça nécessite quand on prend une collecte plus humaine. Et donc, aux deux extrêmes de ce graphique, vous voyez bien les perspectives. La vectorisation manuelle a été très, très, très utilisée. Elle l'est encore dans nos domaines, en histoire, en géohistoire, etc. Et puis, de plus en plus, on essaye d'automatiser les choses. Il y a un papier tout à fait remarquable qui est sorti en 2020 par des collègues de l'ENS Lyon avec collègues Combes et ses compagnons qui ont testé des outils de machine learning pour pouvoir faire de la typologie d'occupation des sols. Et les collègues montrent que le résultat est plutôt probant. En revanche, pour tout ce qui est structure linéaire, on voit qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Voilà, il y a les réseaux de neurones qui ont été testés et qui donnent quelques résultats, mais voilà, il y a encore un travail de correction qui est relativement important, et donc les techniques ne sont pas encore complètement encalées, elles sont vraiment en cours de développement. Et donc ce qu'on propose, nous, c'est plutôt d'aller au centre de la proposition de ce graphique, c'est plutôt de développer des outils collaboratifs. On peut rester sur cette diapositive, Arnaud, merci. Et du coup, l'idée, c'est... Il y a une première expérimentation qui est en cours de réalisation par une collègue de Besançon qui s'appelle Claire Lagesse, qui est spécialiste en analyse de réseau. Et donc, pour elle, la collecte d'informations, elle peut se faire à l'aide d'un jeu sérieux.
Et on peut tout à fait aller sur son projet avec Covadéo. Covadéo, en fait, est tiré d'une démarche. Super, on va voir si ça s'ouvre. D'une démarche qui a été déjà développée à New York, à la bibliothèque municipale de New York, pour pouvoir faire une typologie des bâtiments. Et donc, on part d'un simple constat sur l'idée qu'en fait, on est très nombreux à utiliser nos téléphones portables pour jouer à n'importe quel outil, et donc pour jouer à n'importe quel jeu. Les succès qu'on a pu voir sur Candy Crush et tout ça étaient assez forts. Et donc, l'idée, c'est de dire, bon, ben voilà, on va changer cet usage, et puis on va donner peut-être une utilité au jeu que vous êtes en train de faire tous les jours. Et donc, on teste si, en fait, quand il y a une rue qui est tracée, comme vous pouvez le voir sur la page que qu'Arnaud montre, le tracé rouge, est-ce que le tracé est vraiment présent sur la carte ou pas? S'il est présent, on va confirmer sa présence et on va dire oui et c'est parfait. S'il est absent, en revanche, on va dire non. Et dans ce cas-là, c'est un arc qu'il faudra créer. Ou si l'arc a mal été créé, dans ce cas-là, il faudrait le modifier. Et donc ça, eh bien, faire un apprentissage en intelligence artificielle, c'est pas si simple. Alors qu'en mobilisant de la bonne volonté autour de cette question du jeu, ça peut être quelque chose qui pourrait marcher. Donc à New York, ça a relativement bien fonctionné. Et puis en ce moment, on a un cas d'expérimentation qui duplique quelque part le code source qui était un code source qui était gratuit et ouvert pour pouvoir le dupliquer sur Besançon et Dijon. Donc on essaye en ce moment au niveau du laboratoire de voir si les résultats sont intéressants ou pas. Il y a une thèse autour de cette question-là. Et donc ça, c'est une première façon de pouvoir reconstituer les réseaux. Deuxième solution, et c'est celle que nous avons retenue, c'est en fait l'organisation du mappathon. Alors je ne sais pas si le lien va marcher, Arnaud, parce qu'en fait, il faut Faut le avoir. vider un mot de passe, ouais. Ouais, il faut ArcGIS avec le mot de passe, donc ça marche sur ma machine, mais là, on risque de se heurter à un blocage. Mais donc tout ça pour dire que les mappathons sont très très utilisés en cas. Ah ben c'est super, ça s'ouvre en fait, c'est parfait. Ouais, non, ça Mais aide. après, il faut le loguer les mots de passe Oh, aussi. login et mot de passe, mais c'est pas grave. Donc l'idée du Mappathon, c'est que c'est très utilisé dans le cadre des données humanitaires. Ça s'est produit, les premières fois on a pu développer des Mappathons, c'était un manque de connaissances cartographiques sur Haïti, et donc beaucoup de gens se sont mobilisés pour pouvoir améliorer la cartographie et pouvoir eh bien, mieux organiser les secours sur place. Et donc depuis, énormément de Mappathons se font chaque année à travers le monde, et il n'y en a pas encore eu vraiment en géohistoire. Alors que pourtant, on sait quand même des projets qui sont très gourmands en temps et en ressources humaines, comme on essaye de vous le faire passer ici dans cette présentation. Et donc, voilà, on a développé un projet collaboratif qui est vraiment pas coûteux en termes de développement informatique, puisque maintenant, il y a des ressources en web mapping qui sont très diffusées. Et donc, vous voyez ici sur l'environnement qui est mis en exemple des carrés rouges, des carrés verts. Les carrés verts, ce sont les carrés verts qui ont été saisis. Les carrés rouges, ce sont ceux qui sont en cours de saisie, et ceux qui sont pas encore coloriés, c'est ceux qui restent à faire. Et donc l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur des utilisateurs qui aiment les systèmes d'information géographique, qui sont passionnés par la cartographie. Ça ne nécessite pas une grande compétence en termes de géomatique, bien sûr. Il faut savoir dessiner, savoir un peu utiliser un ordinateur. Mais donc l'idée, c'est de pouvoir mobiliser en particulier nos étudiants, les associations qui sont intéressées par la cartographie. Par exemple, là, on est en train de travailler avec Michelin, on découvre tout un tas de gens qui sont passionnés par ces cartes. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir organiser un mappathon et de pouvoir organiser en plusieurs journées la reconstitution du réseau routier en France. Et donc, on va essayer de tester ce type de méthode pour le réseau national routier et puis le réseau secondaire, et essayer de reconstituer finalement un maillage large échelle à l'aide de ce programme collaboratif. Donc vous voyez là, on va utiliser largement les ressources humaines. Bien sûr, derrière, il y a tout un travail de correction topologique à réaliser. Et là, ce sont des algorithmes intégrés dans les systèmes d'information géographique qui nous permettront de corriger ce réseau et d'être en capacité ensuite de le rendre apte au calcul pour l'intégrer dans le fameux multigraphe dont je vous ai parlé au début de la présentation. On arrive donc à la fin de la présentation pour parler un peu des perspectives interdisciplinaires. Depuis le temps qu'on travaille sur ces réseaux et ces maillages communaux géohistoriques, eh bien, les rencontres ont été multiples. Elles ont été bien sûr liées à des disciplines voisines,
je suis géographe et donc travailler avec des historiens, c'est quelque chose d'assez naturel en France, quoique. Et en économie, bien sûr, et plus particulièrement en économie géographique, où l'intérêt est bien marqué. Mais il y a aussi des perspectives en informatique et dans le monde de la physique. On a par exemple rencontré des physiciens qui étaient tout à fait intéressés pour travailler sur la morphogénèse des réseaux. Et donc, depuis que nous développons par exemple la base de données France sur le réseau ferré, ben, il y a beaucoup de papiers qui sont publiés à partir de cette base pour essayer de comprendre comment le réseau s'est constitué, quelles sont les grandes mesures en termes d'accessibilité qu'on peut réaliser, quels sont les impacts économiques, et donc de la clio-économétrie, elle peut être appliquée sur nos données, etc. Donc l'idée, c'est qu'on puisse profiter finalement des informations qu'on prépare actuellement pour pouvoir eh bien, fournir des réflexions et des pistes à destination de nos collègues historiens, mais aussi linguistes, et également en informatique pour pouvoir investiguer de nouveaux champs. Voilà, donc c'était pour moi le mot de la fin sur les perspectives interdisciplinaires. Il me semble qu'Arnaud voulait également ajouter quelques points, lui, sur les perspectives plus techniques et liées à comment aux apports du web scrapping, qui était aussi le propos de cette présentation aujourd'hui. Arnaud. Oui, merci. Oui, donc là, on a vu un petit peu comment on pouvait utiliser le web scrapping pour récupérer des données en ligne, des données structurées. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut utiliser l'UXML le plus possible, du fait que c'est le format qui est le plus proche donc, du HTML et le plus facile à traiter. On a tous les outils que j'ai cités avant pour pouvoir traiter ce genre de données. Ensuite, il faut bien retenir qu'il y a une analyse à faire à chaque site, pour chaque site Internet, parce qu'en fait, les données sont structurées toujours d'une manière différente. Donc, c'est du temps à prévoir dans les projets. Je dirais qu'on peut automatiser toute la partie téléchargement et la partie transformation dès lors que la transformation entre le HTML brut et les classes qui sont liées au projet, donc les classes du domaine, sont établis. Donc toute la partie XSL, ça, on sera toujours obligé de la prévoir à la main. Il y a toujours un petit temps pour calibrer tout ça. Et une fois qu'on a les données, comme pour tous les projets, il y a toujours un temps de relecture indispensable pour amener de la qualité aux données, essayer d'uniformiser toutes les données. C'est ce qu'on trouve aussi dans les problèmes d'ossirisation, d'importation, de traduction. Donc ça, c'est pas nouveau. Hein. On a toujours besoin d'un petit traitement. Donc du coup, on ne peut pas transformer toutes les informations sans l'homme. Donc il faut bien retenir que l'intervention humaine est toujours obligatoire. Voilà, je vous remercie. Merci de votre attention. Merci à M. Milreux et à M. Thévenin pour cette brillante présentation. Cela permet de mettre en lumière, bien évidemment, ce qui est fait dans les laboratoires par les chercheurs depuis ce matin, mais également les ensembles d'outils qui sont produits et mis à disposition pour la recherche à la MSH. Donc, je tiens à féliciter M. Milreux pour avoir présenté le web scrapping, et on a vu vraiment une application avec le projet de M. Thévenin. Et nous voyons justement comment la collaboration entre des entités universitaires peut permettre de produire de très très bons articles et un très bon travail. Ceci étant, j'ai quatre questions qui me sont parvenues. Peut-être que vous lisez au même moment que moi. Première question, c'est arrivé, je pense, au moment où M. Miller représentait. En termes de stockage, comment faites-vous pour cette masse de données? Parce que imaginez, je suppose que si j'interprète, si le participant essaye de réaliser du web scrapping, il va avoir à gérer toute une grosse volumétrie de données. Donc, il aimerait savoir comment est stockée cette masse de données. Alors, toutes les données, elles sont générées, elles sont stockées au format XML dans une base de données BASIX.
Donc là, j'ai un exemple, par exemple, sur un projet d'il y a 4 ans, où là, il y avait 150 000 pages qui avaient été récupérées. Ça va arriver. Voilà, puis je vous montre en même temps le stockage XML. Voilà. Donc là, on sort du cadre du projet actuel. Hein. Donc là, c'est sur des grosses masses de données. Donc le but était de récupérer des données sur un certain nombre de sites. Il y en avait une dizaine. Donc c'était des forums. Donc là, dans le cas des forums, donc pour des projets linguistiques, hein, là, c'était des forums liés au domaine du vin. Et on voulait récupérer donc toutes les informations qui étaient qui traitaient de la minéralité. Voilà. Et donc, du coup, le but, c'était de récupérer toutes ces données-là. Donc, on a les différents forums qui sont présentés ici. Donc, ce sont les URL de base. Le but, c'était de lancer donc une recherche dans les moteurs de recherche de chaque forum et de récupérer les index, sachant que les index pouvaient être sur une page, deux pages, trois pages, quatre pages, cinq pages, 10 pages, 20 pages. C'est pour ça qu'on voit ici, à chaque fois, début, fin, début, fin. Donc à chaque fois, le robot, il allait se promener sur l'ensemble des pages en suivant toute la numérotation des pages. Donc ça a fait un certain nombre de pages au final. Et une fois donc tout était indexé, après je vais vous montrer comment c'est stocké dans la base. Donc si là, par exemple, je prends minéralité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi un projet qui date, donc du coup, il y a des sites qui ont été refaits entre-temps. Donc je vais vous expliquer quelque chose tout à l'heure. Parce qu'en préparant la présentation, du coup, j'ai eu des surprises, mais c'est pas grave, c'est normal. Donc là, on fait une recherche donc, de tout ce qui est minère étoile sur mon ordinateur en local. Voilà. Et donc, ça nous renvoie... donc avec une mise en couleur du texte où on a donc le terme minéral et un renvoi vers le forum d'origine pour retrouver le contexte. Hein? Donc tout ça, ça a été sauvegardé, on retrouve la date, on retrouve l'auteur de l'écriture. Et comment c'est stocké dans la base de données? Donc c'est stocké sous BASIX, donc en XML. Alors jusqu'à présent, je n'ai pas eu de grosses bases de données non plus. Hein, pour répondre à la question de tout à l'heure, ça reste des bases de données que je sais maîtriser. Voilà, pour le moment. Ok. Pour ajouter une réponse par rapport à l'expérience qu'on a pu avoir avec Arnaud, c'est vrai que c'est une toute petite base de données. D'ailleurs, vous avez vu le nombre de cas de la base fluviale, ça doit être 630 ou quelque chose comme ça. En fait, la grosse difficulté qui nous était posée, c'était que c'était du contenu qui n'était pas bien structuré, contrairement à ce qu'Arnaud est en train de nous montrer, où on a quelque chose d'assez bien établi, un site web qui est plutôt bien fait. Le site web Babel est plutôt agréable à regarder, et voilà. Mais par contre, en termes d'organisation, il a fallu jouer justement sur les couleurs ou tout un tas de jeux un peu détournés pour pouvoir structurer son contenu. Et donc le challenge n'était pas sur la gestion massive des données, mais sur une restructuration et une constitution de base de données. D'accord. D'accord, mais du coup, je pense que vous répondez en même temps à une question qui parlait de... Lorsque l'architecture du site change, est-ce qu'il faut reprendre le travail? Donc, parce que ah oui, justement, oui. Si c'est mal agencé, si on n'a pas de problème, on a des problèmes de changement de structure ou d'ossature du site, forcément, il faut reprendre le travail. Et même là, ça avait beau être dans 8 cas sur 10, c'était le même forum, il a fallu traiter différemment chaque cas, quasiment. Alors que c'est le même forum, donc on est censé avoir les mêmes classes, les mêmes identifiants. Et des fois, ce n'était pas toujours... voilà. Donc l'humain est encore quand même utile. Quoi. D'accord. oui, mais après, une fois, voilà, et après, une fois que la transformation est faite, donc c'est le petit bout de fichier XSL,
fait, après c'est parti. OK. Ben, il reste une minute. Donc, pour une dernière question, je pense que M. Milrieu a répondu à ça entre-temps. Sur le fait de pouvoir scraper sur plusieurs sites, oui, c'est vrai voilà. Que tu as donné une bonne illustration. Ouais, scraper sur plusieurs sites au même moment. Donc, être capable de gérer le scrapping via plusieurs sites, par exemple, pour une thématique commune. Donc, ça devrait être normalement facile à faire. Je dis facile, mais bon, ça doit être possible à faire. Alors, après, la question, ça peut être, est-ce qu'on veut régulièrement? Est-ce que c'est une fois? Voilà, c'est ça, après. Ça s'associe à la dernière question aussi, c'est-à-dire, est-ce que je peux scraper plusieurs sites, par exemple, sur une période de 2 mois, tous les jours ou tous les 2 jours? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on peut rendre cela en automatique ou voilà? Voilà. Et pour Monsieur Thévenet, une question que moi j'avais, est-ce que le projet au départ était une demande des historiens, des géographes ou bien des informaticiens, ou bien c'est une demande ou une collaboration collective? Alors oui, c'est une demande qui part plutôt des géographes. Et puis des historiens derrière. Et puis progressivement, ma chemin faisant, on voit ce qu'on peut faire ensemble. Et du coup, ça devient quelque chose de collectif. Mais l'initiative vient plutôt des chercheurs, quoi, qui n'ont pas forcément les capacités de développement qu'un informaticien, un vrai informaticien peut avoir. Donc, du coup, oui, il a fallu exprimer le besoin. D'accord, OK. Merci beaucoup pour cette présentation à M. Arnaud Milreux et M. Thomas Thévenin. Vous recevez ici les remerciements de la plateforme, je dirais de la BSH, mais étant de la maison, je vous remercie quand même.